de crash. Mais grave. Tac. Alors je suis en train de faire aussi... je suis en train de faire le tweet, n'hésitez pas à les retweeter sur Naughty Dog Mag pour dire qu'on passe... Hop là. Aussi, Crash Bandicoot. Hop là. Ça fait plaisir de revoir ce petit Crash. En vrai, la dernière fois qu'on a fait Crash, on était grave en forme. On était grave en forme. Et du coup, on a pas speedrunné le jeu, mais on n'est pas mort beaucoup de fois. On a très bien avancé. Hop. Voilà. On est en train de prévenir un peu sur les réseaux qu'on est en train de se lancer sur Crash. Et voilà, c'est fait. Toujours quand je peux, je viens. Bah avec plaisir, c'est cool. Hein. C'est cool de pouvoir venir quand vous avez un petit moment à vous. Ça fait plaisir. Et on va retweeter sur mon compte aussi perso. Tac. Crash Bandicoot. Alors. Là. Et voilà. Du coup, alors non, le 1 c'est mort, laissez-moi tranquille. Ah oui, non, je me suis trompé de manette, je me dis merde, pourquoi ça marche pas? Non, mais non, pas le 1, qu'est-ce qu'il fait? Non, cet enfer. J'en garde trop mauvais souvenir de ce Crash Bandicoot 1. Oh putain, oui, en plus, ça c'est le niveau bonus. Laissez-moi tranquille. Mets-toi au speedrun, ça va pas la tête. Ça va pas. Mais pourquoi dites-vous ça? Ça va pas. Comment ça, la sauvegarde globale est supprimée? Quoi? Ah, j'ai eu peur. Continue. Voilà. Mais non, on va pas rager. On va être bien. Vous allez voir. Vous allez être bien. On va faire comme la dernière fois. La dernière fois, en vrai, on avait bien géré, hein. Ok, alors attends, on avait fait quoi? Là c'était bon. Ah ouais, celui-là était un peu chiant, j'avais pas eu envie de le faire. Lui on l'avait fait. Lui on l'avait fait. Et lui. Et lui on l'avait fait. Ah ouais, il nous en reste. On a 22 vies, mais let's go! Let's go, comment perdre les vies avec ce niveau parce qu'il est trop chiant celui-là. Il est trop chiant ce niveau, je m'en rappelle. La balle dirigeable, je me rappelle même plus comment on les abat ces dirigeables. Ah oui d'accord, en fait c'est... J'ai tout fait là. Ils font mal sans déconner là. Attends, parce qu'en vrai... Voilà, on va assurer le truc. Tant pis, il manque 3 caisses. Mais on va assurer la vie. Hein. On va assurer les vies. Oh putain, c'est déjà le moment où on va... Ah, et son robot là qui revient. Ah, mais c'est avec Coco en plus. Je me rappelle plus. Putain, je me rappelle plus que c'était avec Coco. Je me rappelle plus. Crash 3 le plus facile, le plus marquant de ses level design, beaucoup plus travaillé. Ah mais moi le 3 c'est mon préféré.
Crash 3 c'est mon préféré, c'est la folie. Oh c'est dur. Ça vise que dalle. Ça vise que dalle. Ouais bah enfin. Ouais j'étais en dessous là. Putain il est en train de tout perdre d'un coup là. C'est tout? Non mais c'est pas possible, je peux pas avoir gagné là. Et voilà, bien ce qui me semblait. Bien ce qui me semblait. Par contre moi je récupère pas de la vie. Ah, oula, c'est un peu... C'est un petit peu bizarre quand même. C'est un petit peu bizarre. Ah oui donc moi je récupère pas de la vie, ok. Moi je vais me faire foutre. Ok. Allez, putain, c'est super dur à viser, c'est pas précis du tout là. Let's go! Putain, on enchaîne. C'est vrai qu'il est quand même un petit peu plus simple. Un petit peu plus simple que les deux premiers quand même. Tombe à Bécry, je me faisais chier à mourir, merci. Ah bah avec plaisir, hein. De toute façon nous on tombe à pic tous les soirs. Calme-toi, calme-toi. Oh, quelle migraine. Je ne me sens pas très bien ces temps-ci. Ainsi, la fin approche. Trouve encore 5 cristaux et tu me feras une nouvelle fois échouer. Ou peut-être pas. En vrai, on est à la fin. Il y a moyen qu'on le termine ce soir, Crash Bandicoot 3 aussi. Hein. Putain, on aurait terminé Burnout 2 et Crash Bandicoot 3. Ça te ferait deux nouveaux jeux à trouver pour la semaine d'après, là. Let's go, hein. Oh non, regardez ce qu'il y a. Oh là 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 là. Vous vous rappelez la dernière fois comme on avait pété un plomb. Et merci pour le follow, Pandamonium. Merci beaucoup. Je sais pas par quoi attaquer là. Allez, let's go. De toute façon, faut attaquer par quelque chose. Hein. Putain, ouais, les motos, elles m'avaient fait péter un plomb. Oula.
Oh non, mais qu'est con. Oula, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Ok. Bon, visiblement, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais j'ai joué un peu avec le feu là. Ok, d'accord. Ok. Waouh. Ok, ça vient de step-up d'un côté là. D'un coup là. Ok, donc le E on peut les niquer comme ça. Ok. Oh non, abusé. Ouf. Un petit peu chaud là quand même, hein. Je m'embrouille en tous les... Non, tu peux pas lui renvoyer le missile. Oh ouais, trop bien, j'ai niqué les deux caisses. Donc là, on va attendre tranquillement. C'est chaud quand même là. Enfin, on a. Ça a quand même monté d'un. Merde! Oh le con! La difficulté, elle a fait un bond d'un coup là. C'est... Ouh. Ah mais le bazooka... Ah mais attends, oui, j'ai débloqué le bazooka. Comment le prendre, le bazooka déjà? Mais oui. Mais quel abruti. Mais quel abruti. Mais j'avais complètement zappé. Mais putain, mais forcément. Mais oui, le bazooka cheaté, j'avais complètement zappé. Oh merde. Désolé les pommes. Ah. Mais du coup, ça prend des pommes, c'est ça, hein. Même pas. Même pas. Putain, mais comment je fais? Je peux même plus niquer les caisses comme ça maintenant. C'est illimité. Non, ça peut pas être aussi cheaté quand même.
Alors là j'ai 34 pommes. Ah ouais c'est limité, ok. C'est quand même hyper cheaté quand même. C'est comme hyper cheaté. Oh, mais non, j'ai pas le temps de m'enlever. Oh non! Oh l'arnaque! Oh putain, j'avais pas vu bâtard. Je me précipite en fait. En fait c'est court mais je me précipite. Là je perds des vides bêtement là. Et j'ai encore failli faire une connerie hein. C'est pas possible ça. Putain, par contre, j'ai oublié plein. Mais du coup, j'ai niqué plein de caisses en fait. Parce que le bazooka, je dois m'en servir pour prendre les caisses. J'ai fait n'importe nawak en fait. Bah ouais en fait j'ai oublié plein de caisses en fait. Bon c'est pas grave, on sait maintenant comment on se sert du bazooka donc ça va le faire. Bon on a perdu quand même quelques vies dans cette histoire là. On a perdu quelques vies dans cette histoire. La moto on le garde pour la fin. La moto on le garde pour la fin parce que sinon on va repartir un petit peu dans les nuits d'Arabie. Mais en vrai avec le bazooka bah ouais frère mais en plus ça va super loin. Ah non mais laisse tomber, ça va super loin en plus. En vrai si je me précipite pas que je la joue tranquille. Bâtard. Oh! Ah ouais, d'accord, en plus ça le one shot hein. En vrai, zéro précipitation.
On y va tranquille. Ah ouais, ils sont chauds. Je crois que je suis sur mauvais tapis. Ok, j'ai bien fait de m'éloigner quand même. Je me suis dit on sait jamais, peut-être qu'avec une pomme je pourrais juste niquer les cases d'en bas. Bah non. Merci pour le follow, le belge fourbe. En fait, voilà, c'est vraiment une question de timing. Quoi ? Pas de jouer qu'un sabre, ça coupe. Bonne soirée HCS, merci d'être passé. Ça c'est pas un niveau bonus hein. Ça c'est un truc alternatif très compliqué je crois. Waouh. Ah bah super. Il y a mon ego qui veut tenter quand même. Eh bah Barnaud c'est terminé hein. Bienvenue à toi to the one. Mais on l'avait dit hein. Barnaud il est encore pour une heure et bah on l'a torché hein. On a gagné le dernier championnat et puis let's go hein. Là c'est chaud là. C'est le mec il ose plus. J'en étais sûr. Mais j'en étais sûr! Ah c'est la fin en plus, le joyeux il est juste là. Ah merde. Il va me rendre fou lui. Putain. Vas-y, je peux pas avoir un masque là quand même. Bazooka, je peux pas l'avoir, il est trop loin là, le mec.
Eh ouais, il est trop loin. Putain ! Le mec il est trop loin pour le bazooka là. Non mais écoutez, quand on sera à 3 pommes quand on sera à 3 pommes ils nous donneront un masque. Ah, je vais essayer un truc. Voilà, let's go. Bâtard. Non, y a pas le temps de l'utiliser, puis surtout il est trop loin. Mais y a pas besoin de bazooka. Les vrais hommes, ils y vont sans bazooka. Bazooka, c'est pour les Russes. On en parlera demain avec Alain. Oula. Allez, let's go. Attends. Non, attends, mais faut que j'aille de quel côté en fait là? Je pense pas qu'il faut que j'aille là en fait. Je pense qu'il faut que j'aille là. Toi mon pote. Bah oui, mais demain il y a le Burger Quiz et dans le Burger Twitch il y a Alain. Donc c'est bel et bien demain les amis. Demain Alain participe au Burger Twitch les amis. Et il revient vendredi aussi hein. Vous n'avez pas fini d'en manger du Alain. Bon, faut se refaire parce que là, on a perdu 10 vies depuis qu'on a attaqué à jouer. Hein. Donc, Et comment je fais pour sauter là-haut, moi? Non. Voilà. Let's go. Alors, on va se gagner une petite vie. Ok. Le macaque, ça dégage. On arrive à la fin du niveau hein. Et on va faire le perfect hein. Attends, mais non, il va manquer une caisse. Oh putain, je suis sûr que c'est quand il fallait revenir en arrière là. Oh, je vais me faire baiser pour ça. Oh non, je vais me faire griller pour ça. Oh, le seum. Oh, le giga seum. Oh, le turbo seum. Oh, le turbo seum. Euh
Bah du coup on enchaîne. Ça on se garde pour après. Allez go. On repart en Égypte. Après Agrabah d'Aladin, on repart en Égypte. Bah j'avoue, là je suis un peu sur une forme olympique. Attends, parce qu'il y a la course de moto. On va passer 50 minutes sur la course de moto, on va voir flou. Et celui-là de niveau d'Egypte, il est hardcore aussi. Hein. Voilà. Ah bah super. Bah super. Ok. En fait, évitez de trop croire en moi en fait. Je crois que dès que vous avez un élan de confiance, la vie me rappelle que... Non, la musique elle est incroyable. Ah les décors sont incroyables. Hein. Ceux de Crash Bandicoot 3, c'est vraiment le plus réussi. Finir le jeu avec la deuxième fin comme chaque Crash. Ouais bah là par contre je peux te dire mon pote que à mon avis je n'aurai pas la patience. Oh. Ah ouais, là ça devient compliqué là. Vite saute. Non. Oh d'accord, d'accord. Oh là là. Ok bon là on cherche pas à comprendre. Ça dégage. Ça dégage. Ouh. André, Ron est chaud de night, hein. Par contre, le niveau bonus qui va me faire perdre... Qui va me faire perdre mon masque, vous le sentez ça? Est-ce que vous le sentez? Oula. Ah bah super. J'en étais sûr. Putain, je perds les deux masques. Ah, trop le seum. Ah, trop le seum. Alors, on y est vraiment que dalle. Hein. Il va faire tout noir. Hein. On va faire comme ça.
C'était sûr. Putain, mais il faut que j'aille jusqu'au bout en fait à chaque fois. On va essayer de le faire à l'aveugle après, mais en fait c'est trop chaud hein. C'est super chaud. Bonne soirée, je bug. Oh non. Oh, l'abusé. Bah ouais, mais je peux pas aller trop vite non plus en fait. Je peux pas aller trop vite non plus. Qu'est-ce qu'il fait? Redescend! Mais qui est con? Mais qui est con? Mais qui est con ce marsupial là, ce truc là? Bah c'est foutu! Mais quel abruti! Ah, on va cheater. Là. Oula. Là, il y a un trou. Là. Là, je crois qu'il y a un trou aussi. Hein. Bah oui. Oh, let's go. Comment on a cheaté. RIP. Quoi, RIP, Ruben? Regarde s'il y a eu RIP. Le laser. Ouais, attends. Ah putain, mais merde, attends, mais oui, on a ça là. Faut se dépêcher. Oh, le crocodile. Salut Monster Fool. Ah, le seum pour le crocodile. Wow. Alors, on est à la fin. Ouh, le petit saut à la fin là. Le petit saut à la fin qui aurait pu faire mal. Par contre, j'ai pas toutes les caisses. Bizarre ça quand même. Bon, ben on va faire l'avion. Et si vraiment on finit tôt, ben on partira sur GTA RP, hein, ma foi. Qu'est-ce que vous voulez? Crash, Coco, attention. Le docteur Cortex n'est pas notre seul ennemi. Oh. Méfiez-vous d'Ukaoka. C'est un ennemi bien plus dangereux qu'on peut l'imaginer, mes enfants. Bon. Il y a 5 bombardiers.
va se concentrer sur les bombardiers. Let's go! Ah, la mission de San Andreas, n'en parlons pas! Quel enfer! Quel enfer! Bon, bah, allez, hein, dernier niveau. Oh là là, j'en ai la hantise. J'en ai la hantise. Super, il y a les voitures de flics et tout. Oh là là, ça va me saouler. Ça tourne que dalle! Ça a pas braqué. C'était sûr. C'était sûr. Ah merde, j'aurais peut-être pas dû sauter en fait. Oh, j'ai le... Oh! Oh! Mais il faut lui! Non, je voulais prendre le tremplin! Bon, troisième. Bon, bah ouais, recommencer, hein. Ah putain, mais attendez. J'ai pas changé le nom du stream, c'est pour ça que les gens peut-être sont surpris sur du Burnout 3, en fait. Hop, la fin, bah de... Crash. Bandit. Je prends des coups de Wart. Hop là. Voilà. Les gens seront moins surpris, ils diront pas « What the fuck ça a changé, Burnout ?» Oui, il faut finir premier. Et c'est un enfer à finir premier. Non mais c'est une blague. Mais barre-toi!
Ça braque que dalle, je comprends pas comment ça... Ils se sont améliorés en un an quand même, parce qu'un an plus tard, ils sortaient CTR avec une masterclass en termes de gameplay pour la conduite. Alors que là, c'est... C'est caca. Quoi ? Regardez-moi ça ! Regardez-moi ça ! C'est n'importe quoi ! J'en étais sûr. J'en étais sûr. Ça braque que dalle, c'est incroyable. Comment est-ce qu'ils ont pu aussi mal optimiser ça quand même? Ah bah super, waouh, bah là je sais pas comment je suis passé mais... Oh là. Ok super. On va refaire troisième hein. Oh le bâtard. Ah bah super. Ah bah super. Vous sentez comme la dernière fois en fait où j'ai bien commencé, troisième. Et là au plus ça va... Au plus ça va, tu sais, on dégraisse. On régresse. Vous sentez comment... On va péter un plomb à la fin. T'es sûr? Ah putain le trou j'avais pas vu. Ah je me rappelais plus le trou. Mais non ça passait là. Bah rigole pas trop Jade hein. La dernière fois c'est un peu ce qui s'est passé. Je crois que la dernière fois c'est sur le niveau de la moto que j'avais passé mais beaucoup trop de temps hein. Oula. Bah ouais Rancid mais c'est... Elle est tellement pas précise comme course. Enfin ces courses là. On va y arriver hein. Oh là ils auraient pu me le donner là.
Putain, le trou. Oh, le trou, j'avais oublié le trou. J'avais oublié. C'est mort. Oh non. Oh non. Oh. Quoi? Non. Non. Mais non. Allez. Dans ces cas comme ça, faut juste le prendre à rigole. De toute façon, je me suis fait baiser sur Burnout. Faut que je me fasse baiser sur Crash, hein, c'était sûr. Hein. Quand on voit les dingueries qui s'est passé sur Burnout. Ah, let's go, on va leur montrer là. La maniabilité de l'enfer, je ne comprends pas comment on prend les virages. Hein. Je... Oh non, 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 non. Mais la maniabilité, elle est horrible. Let's go. Let's go. Let's go. Ouh, putain, et ce stream m'aura fait suer, hein, sans déconner. Ah, qu'on vienne pas de me dire que les jeux vidéo c'est pas un sport. Hein. Je vous laisse jouer à GTA Online, grosse bise à toi, à bientôt mon Lianqui, merci beaucoup d'être passé. Et salut Christophe, je t'avais pas vu. Bon ben let's go, hein. Dernier boss, Dr. Neo Cortex. Bah let's go. Non, c'est fini, c'est la dernière course. Désolé. Normalement là, je devrais être agacé. Totalement enragé, dans une colère noire. Une fois encore, tu as été plus fort et plus malin que mes meilleurs hommes. Alors oui, je devrais plutôt être énervé. Et en fait, nous sommes furieux. Mais on dirait que tu as oublié un petit détail, sale petit coursier orange. Maintenant que tu as rassemblé tous les cristaux, il ne nous reste plus qu'à te les prendre. C'est énervé, sûr. En ce moment, j'ai plus le temps de faire des vidéos sur TikTok avec le déménagement et tout, mais je vais reprendre. On va recommencer les... On va recommencer. Je crois que c'était la merde celui-là. Il me saoule le. Je vais recommencer les anecdotes, j'y vais. Merde.
Je sais plus comment What? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Je me rappelle plus comment on le bat cette affaire. Comment on bat? Ok, c'est pas comme ça. Mais comment on fait Je me rappelle plus du tout. Comment on fait pour lui casser la gueule à cette affaire? Ah, après la pose des mines. Ah oui. Ah oui, voilà. Oh les gars, vous me foutez dans la sauce là, vous... Encore? Mais arrêtez! C'est du bug! Encore? Mais ben, il a pas envie de crever lui hein. Alors Crash 4 il est pas installé. Mais oui, on le fera Crash 4. Mais Crash 4, qu'est-ce que je vais rager par contre? Qu'est-ce que je vais rager pour Crash 4? What? Oh, ils sont nerveux là. Putain, abusé. Il voulait vraiment pas y aller hein. Prévoit 15 manettes de... Ah ouais non mais le Crash 4... Vous voulez une anecdote qui va vous faire rire mais qui était pas du tout drôle? C'est que la première fois que j'ai refait le remake, en fait, ben en fait c'était comme ça tu vois. J'étais comme ça. Et en fait pour aller chercher le truc, je suis passé au milieu, j'ai oublié de sauter, je suis tombé dans le trou, j'ai dû recommencer à zéro alors que j'avais battu du Cortex. Voilà, c'était mon anecdote pas très marrante. Encore vaincu. C'est trop injuste. Je devrais prendre ma retraite au bord d'une belle plage avec un énorme cocktail et une femme avec de bons gros sacs de glace. Oh, c'est chaud. J'étais là en mode, attends, il va dire quoi là? Aïe aïe aïe. Naughty Dog in the sauce 20 ans plus tard. Bah voilà. Let's go pour Crash Bandicoot 3. Ah, comment on l'a torché. Comment on l'a torché. Ah, c'était fils ça. En deux streams, on te l'a séché Crash Bandicoot 3. Là, on va pas faire Crash Bandicoot 4 maintenant, parce que de toute façon, il est pas installé.